Officialisation, emménagement, fiançailles classe égale à HRL Jennifer Lopez et Ben Affleck avance vite. Le couple pourrait également faire sa première apparition officielle à deux. Les deux acteurs sont à Venise et comptent prendre part à la Mostra. La 78e édition du Festival du film international du film de Venise a commencé le 1er septembre et prendra fin ce samedi en septembre. Jennifer Lopez et Ben Affleck auront donc attendu les derniers jours de l'événement pour en retrouver la ferveur. Le couple est arrivé dans la ville vénitienne ce jeudi 9 septembre 2021. Main dans la main. Visage masqué et lunettes de soleil sur le nez, JLO et son compagnon avaient une discussion très animée. Ben Affleck a répété les gestes avec sa main droite, libre. Leur venue à Venise suscite l'enthousiasme des fans du couple. Jennifer et Ben pourraient faire à la Mostra leur première apparition sur tapis rouge depuis l'officialisation de leur relation. Ce nouveau voyage à deux est un retour pour Jennifer Lopez. La bombe latine de 52 ans s'était déjà rendue à Venise à la fin du mois d'août pour assister au défilé Alta Moda de la maison Dolce & Gabbana. Jennifer Lopez a officialisé sa relation avec Ben Affleck sur Instagram le 24 juillet dernier. Date de son anniversaire. Dans un diaporama de photos d'elle en bikini, la superstar avait glissé une photo de l'acteur et d'elle en train de s'embrasser. Avant cette confirmation, les ex-fiancés rabibochés ont fait l'objet d'une insistante rumeur amoureuse pendant 5 mois. JLO et Ben Affleck se sont vus en toute discrétion et ont même voyagé ensemble. Depuis, des soupçons de demande en mariage imminente sont apparus. Ben Affleck a récemment été surpris en train de regarder des bagues de fiançailles dans une boutique de la marque Tiffany & Co. Jennifer Lopez et Ben Affleck peuvent se permettre d'avancer aussi vite, c'est notamment parce qu'ils se connaissent depuis près de 20 ans. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2002 sur le tournage de la comédie Amour Trouble. Les deux acteurs s'étaient rapidement fiancés et devaient se marier l'année suivante. Un heureux événement que Ben avait annulé à cause de l'engouement médiatique qu'il suscitait. Les deux amoureux avaient ensuite annoncé leur rupture en janvier 2004.